la Lidécraft pour la saison 2. Et oui, parce que la première saison s'arrêtera à l'épisode 7. Il n'y aura pas de fin parce que je comptais la faire vraiment en 1.9. Et voilà, 1.9 Vanilla en incluant mes nomodes. Sauf que comme le nomode que je voulais installer n'était pas fini, je me suis dit ça sert à rien de faire attendre les gens. Mieux vaut partir du bon pied sur de bonnes bases et faire un truc vraiment cool. Donc là, je suis en 1.7.10 modé. Et ouais, avec Forge, j'ai pu prendre plusieurs modes. J'ai essayé de prendre plusieurs. Bon, il y en a que je voulais mettre, mais qui n'étaient pas compatibles. Donc, ça créait des bugs, donc je les ai pas mis. Après, j'essaierai peut-être de voir au fur et à mesure de la série si je vais en rajouter d'autres ou en enlever certains. En convertissant les objets des modes que j'enlèverai, par exemple, en d'autres objets. Enfin, pour essayer de que ce soit un peu vivant et que ça puisse bouger. Donc, je vais présenter là, vu que c'est l'épisode 0, je vais présenter un petit peu les modes que j'ai installés. Bon, présenter très 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 brièvement, mais c'est juste pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Donc déjà, on peut très bien voir à l'interface. Oui, je sais, il y a deux modes qui se superposent. Il y a, évidemment, comme vous pouvez voir, en bas à gauche et en bas à droite, il y a des trois cases supplémentaires, parce que j'ai mis Battle Gear, évidemment, c'était logique. Et les petites jauges vertes et bleues, c'est le mode Naruto. Le mode Naruto, je me souviens plus de son nom exactement, qui fait des animations plus fluides, qui quand je m'assieds c'est mieux, et quand je cours comme Naruto, c'est vraiment swag. Je peux aussi faire des doubles sauts avec, ou faire des petites esquives latérales. Ça use ma jauge d'endurance, ou d'esquive arrière, ou même un saut vers l'avant. C'est vraiment stylé. Et je peux aussi faire des techniques, parce que j'ai trois boutons rajoutés. Si je fais par exemple 1-3-2, je peux balancer des petites balles d'eau. Et si je fais 1-2-1, voilà, je peux balancer des boules d'énergie. Je peux me substituer comme ça. Substitution, il est où l'autre? Voilà, il y a un faux moi qui apparaît et qui marche. Je peux me cloner en faisant comme ça, tout. Ah mince, j'ai plus assez de chakra, bah justement je peux le recharger. Là je peux recharger mon chakra pour regagner du pouvoir. Ouais, ça en haut c'est un autre mode, je vous expliquerai ce que c'est après. Tac, je fais. Voilà, hop, je fais apparaître des faux moi. Ça, voilà, c'est la manière de se substituer. C'est plutôt bien, évidemment c'est des clones, donc tous ceux qui connaissent Naruto, les clones, on les tue en un seul coup. Voilà, vous venez de voir, Bombs Away, évidemment, j'ai installé le mode Zelda, oui, le mode Zelda Sword Skill, parce que j'adore l'univers de Zelda, alors je vous dis, il faut vraiment que je le mette. Sinon, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté aussi Backpack, c'est un mode qui rajoute, comme son nom l'indique, Adventure Backpack, c'est des backpacks, c'est tout. Tu cliques droit, ça t'ouvre un inventaire supplémentaire, deux cases spécifiques pour des outils, des réservoirs dans lesquels tu peux placer des liquides, une mini table de craft incorporée, et là je peux cliquer ici pour l'équiper sur mon dos et pouvoir me trimballer avec. C'est très beau. Évidemment, le backpack n'est pas censé être mis avec le mode Naruto, donc le backpack restera toujours vertical dans mon dos. Ce qui fait que si je cours avec le mode Naruto, ben ça fait bizarre parce que le backpack reste tout droit. Mais bon, ça change rien, c'est pas incompatible en fait. Visuellement, c'est pas compatible, mais sinon ça va. J'ai rajouté Advanced Lightsaber parce que voilà, c'est un petit truc rapide et rigolo. Je sais pas trop, hein, il est pas hyper utile, au pire je l'enlèverai, c'est pas grave. J'ai rajouté évidemment Chocolate Quest, parce que voilà, j'ai envie de faire une aventure, donc voilà, toujours Battle Gear. Les modes Zelda, j'ai rajouté si je me souviens bien, j'ai rajouté Primitive Mobs, voilà, donc ça a des nouveaux trucs encore en plus. Et si je me souviens bien, enfin c'est tout dedans normalement, là, voilà, il y a beaucoup plus de modes, vous voyez, il y a les mobs normaux, et puis il commence à avoir des mobs derrière, tout, voilà. Donc Primitive Mobs, tout. Et j'ai rajouté aussi un mode peu connu, qui s'appelle Star Miner. J'ai regardé, il y a peu de gens qui l'utilisent. Donc Star Miner qui est un mode incroyable, hein. D'ailleurs c'est ce mode-là qui rajoute les espèces de planètes qui volent. Et il rajoute aussi, bon, la plupart des objets, mais ça je ferai pas, je vais pas beaucoup expliquer. Il rajoute aussi un moyen d'aller dans l'espace. Il y a une nouvelle dimension, bah, l'espace justement. Sauf que ça doit pas être très compatible entre les modes, ce qui fait que si je rentre dans l'espace, en fait, le jeu va planter à la. Enfin, pour aller dans l'espace, normalement, il faut sortir du monde par le ciel. Sauf que, au bout d'un moment, si je m'approche trop du ciel, en fait, le jeu va planter. Il va commencer à laguer à mort et puis il va planter.
Donc voilà, j'essaierai de trouver quel est l'inconvénient. Mais sinon, Starliner, dans l'espace, il n'y a rien d'incroyable. Enfin, c'est juste visuel, c'est beau, c'est waouh. Mais il n'y a pas de minerai, il n'y a pas de truc en plus à l'intérieur. C'est juste en apesanteur. Ça, c'est drôle. Donc, justement là, dans Starminer, donc le petit grappin, évidemment le grappin qui marche avec des flèches justement. Alors, bah, il y a plusieurs grappins qui existent justement, parce que si on prend dans le mode Zelda normalement, tac, et qu'on prend le grappin, par exemple celui-là, le long multishot, et dans, je crois dans Chocolate Quest, il y a aussi un grappin, si je me souviens bien, je crois que c'est une épée grappin. Bah, il y a des grappins là aussi. Et il n'y a pas une épée grappin, je crois. Je la vois pas. Voilà, elle est là. Donc, évidemment, je vais les comparer. Le grappin du mode Zelda, c'est le moins utile, je vais dire, parce que voilà, on tire, bah, et ça marche pas sur les feuilles. Tu tires sur un truc comme ça, et voilà, ça t'attire, et puis c'est bon. Voilà, ça a rien d'incroyable par rapport à ça. Le grappin de. Donc là, c'est une épée qui fait grappin en même temps. Le grappin, enfin là de Chocolate Quest, bah, c'est pratique, je fais shift pour me tracter, c'est cool. Là, franchement, c'est bien. Mais rien ne vaut le grappin de Starminer qui, franchement, est génial parce que Starminer change la gravité. Ça, c'est un grappin à gravité. Donc, si je tire sur le mur, tac, je vais être aspiré, clac, et je suis à l'horizontale sur le mur. Je vais enlever mon backpack. J'ai un inventaire supplémentaire, donc c'est cool. Je reprendrai un autre plus tard. Voilà, donc je peux me déplacer comme ça sur le mur. Bon, là je peux pas me déplacer parce qu'il y a le grappin, je suis obligé de tirer à nouveau. Mais je peux me déplacer dans tous les sens. Si je tire à côté, hop, ça me retourne. Bon, après, évidemment, la gravité me reprend après. Mais je peux faire comme je veux. Je peux me. Ah oui, non, c'est Battle Gear. Je peux me mettre la tête à l'envers. C'est vraiment drôle. Hop, wow. Donc voilà, donc ça c'est Starminer. Et Starminer rajoute aussi ses planètes. Donc pour les planètes, il bah, faut juste les atteindre. Mais dès qu'on est à portée de la planète, bon là je vais utiliser le grappin, ce sera plus rapide. Voilà, dès qu'on est à portée, on rentre dans la gravité de la planète. C'est vraiment cool. Donc voilà, c'est juste une planète. Et quand on marche dessus, ben, on est attiré par la gravité. C'est tout. Donc là je suis à l'horizontale. Ça c'est bizarre, mais voilà. Et les planètes, évidemment, dans les planètes, il y a toujours des minerais à ramasser. Comme ça, ou là j'arrive vers le noyau. Alors, se déplacer dans le noyau, enfin dans une planète, c'est n'importe quoi parce que la gravité est hyper forte proche du noyau, donc ça fait des trucs de fou. Donc, mieux vaut utiliser un grappin pour se coller au mur. Voilà. Donc, on peut voir, il y a beaucoup de minerais, beaucoup de blocs, de blocs d'or, des minerais, de l'émeraude. C'est vraiment cool. Bon, après, le problème, c'est s'extirper de la gravité de la planète. Ça, c'est un problème. Ah non. Aussi, la surprise, c'est lorsque tu. Sors de la planète, ou enfin, où je suis sorti, ah bah par le côté, tiens. Voilà, c'est vraiment déstabilisant, mais c'est drôle. Voilà, donc c'était pour présenter un petit peu tous les modes que j'avais rajoutés. J'en rajouterai peut-être d'autres s'il y a moyen, mais pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé d'autres intéressants. Si vous en avez d'autres intéressants à me proposer, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir d'en rajouter. Et s'ils ne sont pas assis, et si les modes que vous m'avez proposés ne se retrouvent pas dans la série. Ce sera soit qu'ils sont pas compatibles, soit que ça introduit des lags, soit que je les trouvais pas très pertinents. Enfin, ou pas très utiles pour l'avancement ou pour l'aspect aventure, on va dire, de la série. Voilà, j'espère que tu auras aimé. N'hésite pas à t'abonner, mettre un like, un commentaire ou même tout ce que tu veux. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!